Et du coup, salut YouTube, on se lance dans Baldur's Gate 3, la suite de nos aventures. Nous avons notre perso pleine de charisme, notre beauté fatale, notre naine au regard d'acier, à la barbe drue, qui va nous mener à travers ses aventures. Et nous, lors du dernier épisode, nous étions crachés comme des cacas depuis un vaisseau des flageurs manteaux, et nous avons pourfendu quelques gobelins avant de rejoindre des druides. En gros. Et du coup, nous y voilà. Il y a des gens qui discutent. Sa barbe n'est pas douce. Non, elle n'est pas douce et soyeuse, c'est l'aventure. I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once. Can we all just take a moment? Ah, what's the point in blazing spells if we don't bloody use them? We should stay. These people aren't fighters. We can help. Oui. We'll yell louder. That's fine too. Bref. On peut lancer éventuellement les votes du public. On n'a pas de bonus en persuasion, ça va bien se passer. On peut dire hey, cassez-vous, bande de branleurs. On ne peut ne rien dire. Comment ça marche, ça, du coup? Le public n'a pas voté. Ah, bravo, bravo. Mais c'est pas grave, on va tenter le jet de persuasion. Ou alors, est-ce que ça lance un vote dans le public? On ne sait pas. Allez, on tente la persuasion. Cible de 15, grâce à notre charisme de nain, bien sûr. Et c'est le succès! Thank you. It's the right thing to do. Ah voilà, mais c'est le charisme à l'état pur. Ah, notre viewer le plus fidèle est sur téléphone, il ne peut rien faire. Ah, bravo. Thank you, Roland. Bon, bah du coup, on les a convaincus de rester. Peut-être que c'est une mauvaise idée. Il y a Will. Swing. Putain, c'est une tronche. Go on. Give me your best shot. Ah, il humilie les enfants. Not bad. Again. Ça c'est bien, ça c'est. Faut leur apprendre la vie à ces petits cons. Hey, hey, keep focus. See how I used your own force against you. Vas-y, contre-attaque, embroche-le, le petit. I can't do it. I can't do of course it. You can. It just takes time. I didn't become the Blade of Frontiers overnight. Je peux vous parler. The man's smile bends downward, and his thoughts become yours. Allez, voilà, encore une espèce de polluée de la tête. Commands your mind. Rust red skin, gnarled horns. I'll be damned to the hells. You are on the ship. A strange sensation courses through you. On peut convaincre les personnes grâce au pouvoir illitide. A noter donc du coup que nous on s'est crashé, on a galéré, on s'est réveillé difficilement lorsqu'on est tombé du vaisseau, les autres se sont crashés, ils ont eu le temps d'aller voir ce qui se passait à une porte. Lui il a eu le temps de commencer à traîner les gosses. Bravo. On va essayer d'y voir plus profondément dans son esprit. Oh, difficulté de 1. Heureusement parce qu'on fait 2. A shiver runs across your mind. You feel sated. The creature appears again. Red skin, twisting horns, and wings stretching wide behind it. Your minds part again, leaving your skull throbbing. Ouch! Careful you don't push the brain bugs too far. They'll leave you hurt. Oui. Keep it up, kid. Ouais, vas-y, continue de bosser le merdeux. Laisse les gondes travailler. You took a bumpy ride on a mind flayer machine, same as me. And I've been having the strangest dreams. I haven't turned into a mind flayer just yet. But sooner or later, my luck will run out. Bon sens, je trouve quand même les PNJ assez charismatiques. Je trouve qu'ils ont une attitude assez sympa. Ils ont tous une façon de parler qui est plutôt cool.
Ouais, ben, on va éviter d'avoir un trou dans la tête, c'est une bonne I've idée. been waiting for this druid Halsin to return. They say he's pretty powerful. He could probably help us. Problem is, the goblins have nabbed him. Il a de la gueule, lui. Ouais, carrément. C'est ce qui manque un petit peu à la création de perso, je trouve, c'est quelques cicatrices, etc. qui donnent un petit peu de gueule à un personnage, là. Mais si on allait le chercher ensemble. Excellent idea, but I have a condition. Alors, vas-y. Look at these kids. They've no chance on the road, not while goblins infest it. I've got the grandest of plans. You and me, we ah bah voilà, ça c'est un bon plan, ça. Ça c'est un plan que j'aime. Bah il massacrait des gobelins, je suis pour. What say you? Tu as tué les peaux vertes et peaux vertes. Je suis pour. Splendid. It's time for some old fashioned. Mon brocure est pas contente. La relou. Look who's here. Bah, c'est sacré ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leur femme. Alors, il n'y a pas beaucoup en force, il y a beaucoup en charisme. Sort maléfice. Maudit une créature, il fige un déficit nécrotique supplémentaire chaque fois que vous le touchez. Ouais, c'est pas mal ça. Alors, c'est un démoniste. Intéressant. Acquérir d'expérience, vous pouvez avoir de puissance, blablabla. 17 points de vie. Et leur explosion insoutenable. Quand vous lancez explosion occulte, vous ajoutez votre modificateur de charisme à dégâts infligés, sauf s'ils sont négatifs. Mais qu'est-ce que explosion occulte? Armure des ombres. Armure de mage sur vous-même, à volonté, sans déplacer les emplacements de sorts, c'est ok. Ah, on peut parler avec les animaux, ça c'est toujours une bonne idée, les joueurs Ariane. Séduction, on a avec le charme envoûtant de notre protecteur, on gagne la maîtrise des compétences super chérie et persuasion, on s'en fout. Voyez dans les ténèbres, on s'en fout. Simulacre de vie aussi. Masque au milieu du visage. Ouais. Onde de choc. On peut lancer l'explosion occulte. Une fois par jour, on peut lancer imprécation utilisant un emplacement de sort de démoniste. Protection, arc électrique. Ça a l'air d'être une sorte de classe de combattant mage. Invocation, repli, main brûlante, charme personne. Ok. Imprécation, je sais plus ce qu'il fait. Bah non, il n'y a aucune évocation de l'alignement, donc ça va être un petit peu deviné, je pense. On va se prendre langage animal. On va prendre l'armure des ombres, c'est pas mal. Sort de remplacement. Tentacule d'Adar, fait apparaître des vrilles d'énergie obscure, et si vous subissez 2d6 points nécrotiques, vous ne pouvez pas utiliser de réaction. Armure d'Agathis, vous êtes couvert d'un givre spectral. Vous pouvez choisir un des sorts que vous connaissez et remplacer par l'autre, sélectionner la liste de sorts disponibles. Ah non, ils ont l'air très bien ces sorts. Et pour utiliser son langage animal de temps en temps, ça va être pas mal. Faire bisous à les animaux. Donc ouais, non, il n'y a pas d'évocation de l'alignement, donc c'est assez particulier pour un jeu d'Angers Dragon, mais why not. On verra bien ce que ça donne sur le long terme. Affiche de recrutement. Oula, petite saccade du jeu. Allez, où c'est affiché? Trouver la fierté, un but de la vie dans le point enflammé. Grand duc Uldé Ravengard. C'est vrai que du coup, si on est un siècle après les événements des premiers jeux, les grands ducs ont dû changer aussi. T'inquiète, je serai discrète comme une hyène. Un œil de poêle, un œil, deux yeux, poêle et poêle, du jambon, du fromage, des choses très concrètes. Je serre le poing enflammé. Oui. Il me manque déjà les points enflammés. Il y a la crissa. Ah, il est là-haut, d'accord. Bravo, pas vu. Lui, c'est le marchand, ok. Hmm.
Il y a une porte en pierre. Il amène dans une chambre isolée. Et d'accord, il y a Zevler et il y a Tilsis. You're the one who helped at the gate. Oui, c'est moi, oui. Glad to have another sword. We might need it. Oui. Ah ok, très bien. Souvenir d'un comédien. Carte d'Eltugard. Eltugard. Une vieille map d'Eltugard et ses alentours, la cité de Baldurgate et Elturel sont toutes les deux marquées. Mais c'est la terre sauvage qui couvre la... qui sont couvertes de notes, de symboles et de chiffres. Enfin, du chiffre, cipher, c'est... symbole, ouais. Les marques les plus fraîches décrivent des gobelins et des gnolls qui se rassemblent dans les forêts et collines aux alentours. On avait vu Zevlor qui était dans le coin, il est là. Have you spoken to Corga? Pas encore. You have your own business to attend to, but if the druids won't abandon this ritual of theirs, it will be trouble for all of us. Et... ouais, très bien. Bon, on s'en fout un petit peu de son patelin. Sac à dos. Une pomme. De la thune. Rien de bien intéressant. Mira, qu'est-ce que tu racontes? Damn, goblins. Ta bebe. Il faut te soigner. Oh, I was just gonna let it fall off, stick it in my satchel. Ain't letting anyone here near me. They all sat and watched while Zevlor near got us killed. Oui, vous laissez. Tu laisses ton propre peuple, hein. Tu fais passer ton propre peuple en premier. C'est la bonne façon de faire. This is the way. Where are people? Half the crew's lying dead back in that ruin. Even the new lad, his first contract, and we land him in a goddamn goblin nest. He actually stood and fought the stupid bastard. Like I never trained him better. Ça s'est mal passé pour lui du coup. Nah, he must have thought we were following. Always the optimist was Liam. Il a fait le Leroy Jenkins, il est mort. We saw we were gone. Wound looks clean. Aradin, c'était l'humain qui était relou. If it ain't the fearless goblin slayer, you sure you want to be seen with me? I ain't exactly popular with this lot. Non mais ça c'est ta gueule de con, c'est pour ça. Ouais, tu pourrais être un peu aimable, sac à merde. Thanks, Mum. Now please do feck off. N'oblige pas de péter la gueule. Ouais, du vent de mais saloperie, je t'ai sauvé la peau, tu pourrais filer de la thune. You really saved the day. Swooping in and playing the hero. Now I'm gonna take the blame for leading the goblins here. And losing track of the bloody druid. Mais ils venaient où les gobelins? All the way from the ruins we were poking around in. C'est là que j'ai perdu la trace. His name's Halsin. And if he's still alive, he'll be cursing the day he laid eyes on me. We've got a contract to track down some relic. And he wanted in on the job. Eyes lit up when he heard about it. Didn't work out though. Goblins got him when we were turning tail. He's either digging latrines or boiling in a cook pot by now. C'est embêtant. Oui, on peut jeter un œil à ce contrat. Job's all yours, if you got a death wish. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic, supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. Et où est-ce que je trouvais? It's called the Night Song. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'll give you the map and wish you a happy funeral. But my mate Brian... Le gros Brian! Sacré gros Brian! All I've got is a contract. It'll show you when we turn back.
if you feel like dying. Where is it? Don't thank me. I'll be well on my way to Baldur's Gate when you die. Conspicuus estampillé. Dans une lettre parfumée. Alors, lire. On recherche des aventuriers. Pour mener à bien une quête périlleuse et lucrative, Maître Lorakan, alias l'arcaniste d'Adkatla, reclus de la tour de Ramazit, que nous connaissons bien d'ailleurs, est à la recherche d'individus courageux et entreprenants pour explorer un temple truffé de pièges et récupérer le légendaire artefact surnommé Chante-Nuit avant de le mettre en lieu sûr à la porte de Baldur. Poltron est demeuré de tout poil s'abstenir, célébrité, gloire et pactole à la clé, ça nous plaît bien ça. Du coup, Alcine, c'était le mec qui pouvait nous guérir du truc qu'on a dans le crâne, ça me semble une bonne idée d'aller le chercher. Danis et Bex. And we'll have a dog, right? They don't allow them in Baldur's Gate. Cats, though. A little orange cat, and a house with a little door so that it can come and go as it pleases. And a high fence to keep eavesdroppers out. Les gens sont désagréables dans ce coin. Vous allez dormir dans la crasse, bande de sac à merde. If that's what we're offered, we'll take it. Everyone's got to start somewhere. Optimism, my friend. Try it out. Vivez dans un bled pourri, vous êtes encerclé par des gobelins et des druides qui vous détestent, mais vous êtes optimiste. Soit. Vous êtes un peu con. Parlons à Bart. Good to be back behind the walls, have to say. For as long as that lasts. C'était super intéressant. I'm waiting on someone and you aren't him. Do you mind? Je sais, c'est bon. Putain, même les gamins ils me détestent. Damon! Thanks for fighting off those goblins. If you need to replace any gear, just ask. My selection is pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. T'es forgeron, un peu. People came from as far as Neverwinter to buy my swords. Funny how things change when your bloodline becomes a problem. Guess I'll be starting over in Baldur's. Est-ce que ce serait pas lié en effet aux deux énormes cornes qui te poussent dans le front? Fever, la thune. Une broigne. C'est de la merde. Armure de caille, c'est ce que j'ai. De caille plus 1, ça c'est tentant. Est-ce qu'on a des trucs à vendre? Board, bougie, bulbe. Hop à toi. Oui, il a que dalle sur lui. Et on broker non plus. Eh ben, on va rien t'acheter parce qu'on est des gros pauvres. Et une belle hache à deux mains en plus. Ah, c'est intéressant. Bonjour, Jericrane. Comment ça va? Que viens-tu faire ici de bonsoir? On va voir si avec lui on peut parler au rat. Ouais. Il y a un rat local. Non mais bon, on est partout, hop là. Amicos animalis. I think that's everything. This is about your precious border game. Stay back, or else. Qu'est-ce qui se passe? Nothing's wrong. Just get back. Ow! Oh, my tooth. Laisse-moi jeter un œil. It's the front one. I chipped it on the evil thing. Quelle saleté. In the box. Follow me, I'll show you. Mm-hmm. Très bien, mais je ne sais pas où tu es parti, le rat. J'ai pas ça, ok, très bien. Il y a quelqu'un dans la boîte, dans le... Dans le truc. J'ai pas trouvé un moyen d'y aller. C'est un sac à dos à piller. Puis où ça se prend. Nul. Du fruit, ça peut toujours servir. On sait pas, non, mais ça peut servir. And your birdies, and your
Tu peux pas la crimeter comme ça. Why not? That's what her kind did to Cannon. You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way. She didn't kill your brother, Arca. You're better than this. Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. Oh, je suis rien. Je la laisse tuer, pas de problème. It doesn't matter if you kill me. I'm chosen by the absolute I am. I'm blessed. Blessed. Here it comes, you little beast. Est-ce la vista? It's fine, Mamnos. C'est un joli coup. Was wrong. It was justice, or the start of it. Il y a un coffre de preuve. Intéressant. Intéressant. Et Will qui veut nous parler. Nice. She saved us the work of killing that goblin ourselves. Ouais, puis le reste de la horde, c'est la même chose. Only a few thousand more to go. Easy. On peut la fouiller. Oui, on n'a rien sur elle. Par là, il y avait déjà pas grand chose. En tout cas, la porte est verrouillée. Parle à Gex. Step, parry, strike, damn it! It's just not landing. T'es mauvais, Jack. Allez, bim, mauvais utilisation du guerrier. I'm in no position to turn down help. You need to be ready for a fight. But I'm déjà, conseil numéro 1, ne prends pas une épée, prends une hache à deux mains. Like this, you mean? Step, step, strike! Yes! You really know what you're doing. Found this by the road. Bet you'll put it to good use. Ouais, poursuivre l'entraînement, puis un jour, tu seras peut-être... Hopefully, it's just the goblins we have to worry about. The druids are treating us like vermin. Normal. But I'll keep at it. Thank you. Et puis, on se passe des attaques aussi. Yes. I'll bite my tongue when the time comes. T'as reçu une hache d'arme. C'est bien, mais pas terrible, parce qu'on a une hache à deux mains. C'est quand même vachement mieux. Any questions, children? He stares right past you as if you're invisible. Caméra entre les doigts de je sais pas qui, c'est pas Anne. Bien. Et t'as chose à dire? He's still staring right past you. Ici, je regarde. Nothing out of the ordinary. When you turn back, there's no trace of the child. Magnifique, j'ai de perception. Hein? C'est juste une boîte. Ce serait bien d'avoir un roublard. Un collectionneur d'objets précieux. Hold out your hand, lady. Let me show you something. Ooh. Go on. Incroyable. Take this ring. It's lucky. Call it heads or tails. Eh bien, face. Heads it is. See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. I've got more where that came from. Pas du tout l'arnaque. Real cheap too. Interested? Ça prouve rien. Okay, fair. Let's go again. Heads or tails? Call it. Mais c'est un truc piégé, c'est un trucage. Heads it is. There. Happy?
Ouais, j'ai gagné un anneau. Hey, hold on, you gotta pay for that. Ouais, vas-y, reprends le petit pont. One sec. That's what I got. Ça sent le truc de l'arnaque. Une pelle, une fourchette, une étoile de mer. Mais t'as rien. Un anneau de résistance aux fourmis. Un anneau d'invisibilité véritable. Un anneau de télékinésus. Et un anneau de souhait infini. Et de la thune. Très bien. Merci pour ton aide. De toute façon, t'as de la thune, donc ça va être utile quand même. Peu importe. Je revends ça. Pour l'instant, les parchemins, on n'en a pas trop besoin non plus. You bought something. Most everybody says it looks like junk and moves on. Oh oui. C'est des vieilleries, mais en tant que matière première, pourquoi pas? Really? Good thing we met then. Anyway, see you again sometime. Take care. Safe travels. On regarde pas le Zeneven pour l'instant, mais tu peux tout à fait regarder le Zeneven, y'a aucun problème, Capi. D'ailleurs, je vous invite, c'est en effet tout ce week-end le Zeneven, n'hésitez pas à aller y faire un tour, il y a beaucoup, beaucoup de gros streamers qui y sont, et qui font des donations, enfin, qui récoltent de l'argent pour la Amnesty International. Donc n'hésitez pas à aller voir le Zeneven, il y a plein d'événements, c'est très sympa. L'année dernière, ils avaient battu un record assez impressionnant, donc cette année, c'est l'occasion de faire mieux. She's a thief, Hellspawn. And you will wait for Corga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mradrisham, or I'll rip your damn... Et bonsoir, Captain Nostra, comment ça va? Hey, Grum! Ok, t'es un ours. We could have taken those guards. I'd rather you not get eaten by a bear. Quel est ton problème, Marius? We need to get Arabella out. T'as trouvé une auberge? Non, pas encore. They're waiting on Corga to give word. I'd sooner trek through the nine hells than trust that snake. Call me Snake. Pourquoi les druides ont-ils enlevé votre fille? Arabella tried to steal their idol. Qu'est-ce qu'ils peuvent être? Qu'est-ce qu'ils peuvent être, tatillon? They need it for their precious ritual. Oh, it's all my fault. I told her I wished the wretched thing would just disappear, or better yet, explode. Now Arabella's being judged by a bunch of druids who hate us. That's not right. Horrifying. We should check on the girl. Oui, c'est un peu excessif de juger les enfants. Thank you. Bon, d'accord. They won't give us the time of day. Hurry! I'm at the end of my tether as is. Can't take this waiting. Derrière la barbe et l'armure, j'ai avant tout un cœur. On peut aller dormir. Mais c'est pas le bon moment. Parlons à Jorna. In the name of love. Eh, si j'avais pas été là, les gobelins, j'aurais pété la gueule, alors casse-toi. Bah vas-y, moi je te montrerai ma hache, pas de soucis. Ça me ferait même plaisir. Oh, I understand. You. Apparently Corga wants to see you. Go ahead. On peut même pas se battre. D'accord. Très bien. Vous prenez comme ça. Ah, y'a Volo. Volo, comme dans le AL2. Il a pas vieilli, c'est Volo. Ne me regarde pas comme ça, tu me fais peur. When the goblins came, you saw them up close. A few questions, oui. If you please. There's no. T'as pas beaucoup d'équipement. Non. Je suis un peu à Walp. Oui. Vas-y, je t'écoute, Volo, mon brave. Raconte-moi tout. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities. C'était une armée, au moins. Ils étaient 800, je crois. C'était des gobelins comme les autres, vils et méprisables. Goblins struck fear
and awe in heart of wilting witness. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Mmh. Oui, il était des reins, c'est sûr, le dragon, bien sûr. Witness mistook obvious silver dragon for brass. Oula, c'est pas de... Then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? Ouais, j'étais super enthousiaste. Oh, curious. Oh, curious indeed. Tu peux ne pas me terroriser comme ça? Tu me refais ça pendant un alien lundi et je... She reports they've abandoned their god Maglaviat in favor of someone called the Absolute. The scandal. Même si les gobelins, on peut plus compter sur eux. Je m'en fous des gobelins, moi je leur pète la tronche. But is superstition all? These goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. Absolument. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to dawdle. Ouais. Et pourquoi t'es ici, Volo? Why, goblins, obviously. Le visage du perso manque un peu d'expression, je trouve, le personnage principal. A druid called Halsin might be able to point me in the right direction. But he's been quite captured by them already. Ironic, really. Ouais, sois prudent, tout ça. Ouais, le perso principal, il est un peu monolithique, mais en même temps, c'est parce que... Ah, c'est une naine. Du coup, là, il est au maximum de la joie et du bonheur. Ah oui, c'est sûr que comparé aux compagnons qui sont justement très vivants, très charismatiques, je trouve, c'est pas trop la réussite. Parlons au cochon. The bull prances about, haunches clenching and unclenching impatiently. Where's Halsin? He promised me a mate. Calme-toi. Le cochon il penche avec son zizi. Pas bien pouvoir foutre ombre cœur à gauche, mais bon, c'est pas grave. Non. Arabella Carga est par là. En plus, elle parle pas. Non. Non, non, mais je pense que. Bah, après, c'est de l'early access, donc je pense qu'il y a largement le temps d'améliorer tout ça. Mais... Sauvons Arabella. I'm sorry. Please. I'm sorry. The snake! A snake! A what? Wrath. A thief? A thief. A poison? A menace. I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. La grande rudesse est instantanément renommée Eric Zemmour dans mon esprit. Eh, de quoi est-ce que tu accuses cette fillette, Eric Zemmour? Oh? You mean parasite? She eats our food. Drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. J'ai un petit air de retournement quand même. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Comment elle est Come, Quagga. We took back the idol. Surely. Do it. Ok. The child's in danger. Do something, I beg you. Hors DG, ça va être magnifique. Aucun bonus ou... Aucun bonus. Essayons de la persuader. Cible de 18, ça va bien se passer. Ah, Dribigny. On peut relancer les dés, je ne sais pas pourquoi, mais why not. Toujours pas. On peut toujours relancer le dé. Non. The tiefling remains until the rite is complete. Now, Wrath. Oh, la saloperie d'elfe. No. Et voilà. C'est ainsi que les enfants meurent. Bravo. Quack.
By the gods, Corga, what have you done? Atheus! Teela to me! J'ai quand même bien envie de lui éclater la gueule. Bury the remains. Continue the rite. And the parents? They're just outside. This outsider will take word once I've spoken to her. We must focus on the rite. Oh putain. Oui, puis va annoncer aux parents que c'est moi qui ai fait tuer sa gosse. Hein. Ouais, bien sûr. Spare your tears. She knew the danger. She still tried to run. Ah, ça veut pas quoi. Go on. Say it. Oui, je pense que tu es un sac à merde. Monster. Monster. Too kind. A demon more like. Mmh. Ouais, je suis pas censé avoir pitié de toi. Her choice. I know your kind. You see only victims and villains. Et toi, tu vas bientôt être une victime. Fangs defending her brood. I call her mother. You call her monster. No matter. I took back the idol of Sylvanas. Est-ce qu'on peut l'attaquer? We will seal the grove, free from harm, free of intruders. Ouais, Zevlor, parce que si, ils vont crever. Il a l'air d'avoir du loot, absolument. Mais quelle raclure de bidée. Ah, Tancred a activé là, avec l'extension pour les sondages, on va voir si ça marche. Alors, testons. Est-ce qu'on veut mieux, enfin, plutôt parler à Zevlor? Est-ce qu'on veut lui dire qu'on doit se faire foutre? Est-ce qu'on va l'attaquer? Ah, je vois que le vote est unanime. Je vais. Je pense que c'était une mauvaise idée, mais c'est pas grave. C'est qui lui? Alors là il y a Will, là il y a notre mec. Ok, ça faisait mal. Bon bah il y a un brocard qui s'est fait défoncer. Tu vas l'aider. Après tu vas te déplacer. Et tu vas maudire la bougresse avec un maléfice en... Se bat deux armes. Maladictus. Je pense qu'il y a une ceinture et justement nous on en a pas. Exactement, notre pantalon tombe trop souvent. Aussi je pense qu'il est nécessaire de la tuer. Par contre je pense qu'on n'a pas du tout le niveau pour ce combat. Soyons honnêtes. Ouais, ça c'est fait. Bon. On se PV quand même, ça fait mal. Imprécation, subit minus de indicate au jet d'attaque et de sauvegarde. What? Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Posté. Grande puissance, béni par la présence à respirer et... Une créature touchée par l'attaque peut subir... D'accord, ça nous fout la merde aussi. On va les déséquiper. Les gants qu'on avait ramassés la dernière fois qui sont aussi un peu maudits. Vas-y, soigne-toi si tu veux, Josette. Hein. Ah, il a une attaque sournoise. Couvert la givre spectrale, on gagne 5 points de vie topper, on affiche 5. Toute créature qui se touche avec l'armure d'attaque au corps à corps, ça c'est bien ça. Oh, t'es loin, tu vas pas faire grand chose à ce tour-ci.
Toi, t'es en train de tabasser quelqu'un qui est à terre. Les druides, c'est un petit peu des connards. Est-ce qu'on a un truc pour nous aider? On a une potion de vitesse. C'est absolument pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. Et du coup, on a une action supplémentaire. Qu'on a raté encore! Ça me rappelle quelqu'un de tabasser quelqu'un à terre. Oh, qui donc? Pas le genre de la maison pourtant. Ça, ça picote. Ça, c'est pas mal. Ah! Très bien! Ok. Il va falloir que j'achète une godasse géante. Ah, et puis notre prêtresse est morte. Pour le fun, on va quand même essayer de finir le combat. Ouh, ça pique ça, madame. Ça pique ça. Ah, d'accord. On va quand même essayer de finir le combat pour le fun, mais... 800 potions. Ah, elle prend cher, hein, mais... Dégueulasse. Dégueulasse. Take cure. Non mais on se calme. Ok, nul. Ok, nul. Elle doit avoir des bonus... Bénéfice de force, non, bah même pas. On a juste pas de chance. Oui, c'est heal en plus. Take cure. Elle se heal elle-même et elle, elle s'est fait heal, donc c'est la foire à la saucisse. Bah tu vas finir son petit collègue. Pourquoi tu te déplaces? Putain, l'araignée est vraiment dégueulasse. Par contre, elle est mal animée, mais... Bon, on est un, ils sont quatre... Je suis serein. Mais mec, c'était place, pourquoi y'a pas d'attaque d'opportunité? Je sais pas. Et pourquoi je ne joue pas? Ah, je suis léthargique à cause de la rapidité qui s'est terminée, très bien. Bon bah du coup, fallait pas l'attaquer, c'était une mauvaise idée. Petit décalage de l'animation. Votre groupe a été vaincu, ouais, c'est bon. Très bien. Putain. Je te visite pas attaquer. Ah, je me demande qui a pu voter pour cette option. Franchement. Quel genre de personne aurait pu cliquer dessus? Mais est-ce que ça impose ton choix? Non, pas du tout. Je pouvais choisir autre chose. Mais on est là pour faire plaisir aux viewers, hein, parce que je prends soin de ma commu. On a encore une fois 800 sur ce chat. Moi, j'aurais négocié. Ouais, ouais, ouais. Go on. Say it. Oui, je te prends pour un monstre. Saloperie. Too kind. Ouais. Pas surprise, boule de feu. Ah, s'il est vrai qu'en tant que guerrier, je maîtrise parfaitement la boule de feu. Ouais. Gnie, Zivlor, parce qu'il va mourir. Ouais. Ouais. C'est sympa, c'est que tu réponds à tous les messages malgré le trauma. Absolument. Je prends le temps de répondre à chaque message, je m'inquiète de ce que vous faites, etc. Donc je... Merci on us, Sylvanas. Merci. La druide nazie. Ah, c'est Eric Zemmour, la druide, hein.
Une enfant est morte, tu mérites aucune pitié, sac à merde. You may be right. We've let a snake replace our leader. And the result, by the tree father, that girl. Ouais, ça semble être que Eric Zemmour aux commandes là. C'est qui votre véritable chef? Bon, peut-être devoir retrouver Alcine parce que ça commence à être la merde là. Mistress Corga back in line. Hold her to task. Stop this damn ritual. More will die if the rite is finished. So many more sent into a world gone mad. Ouais, je pourrais chercher Alcine. I would give anything to see Horsin return home. N'importe quoi, c'est un peu vague comme offre. T'aurais pas plutôt de l'argent? I will open the treasures of this grove to you, even if the circle forbids it. Là on parle. Hulsin is an elf with the presence of a bear. He left west with the adventurers. You won't mistake the first druid for anyone else. Ok. Est-ce qu'on devait pas aller voir Nettie qui pouvait nous soigner éventuellement? C'était l'assistante d'Alcine ou un truc du genre. Le bosquet est quand même un bon gros repère de connard. Did a number on you, didn't... I see you. Just give me a moment. Attends patiemment. C'est une autre naine, restons courtois avec elle. Life or death. Now, what was it you needed? Je cherche Nettie. You found her, but I still don't know what she can do for you. J'ai besoin de soins. Come here. Let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. Les poches sous les yeux et la grosse beubare aussi. Oui, alors j'ai utilisé les percats de chemin, j'ai quand même une larve à la tête. A mind flayer tadpole. Oui, c'était pas la tétard. A serious condition. Come, follow me. I might be able to help. We need to be quick. This voilà. Trop disséqué. Bah dis donc, c'est sympa comme coin. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Nous accueillons vos copains. Tadpole crawled out of his head soon after. Ouais, j'aimerais ne pas avoir ce genre de truc. Sympa son armure de feuilles. I'll do the best I can. I'm no Master Halson, mind. He'd have your tadpole out like that. Still, we have options. Give me your arm, please. This is a cure. Now your arm, please. You don't have time for games. Bah, est-ce qu'on recule ou est-ce qu'on lui donne notre bras? Est-ce qu'on lui fait confiance ou pas? Ah, c'est une naine. Solidarité nanesque. Allez, on tend le bras. You don't have to be here for this. I'll hang around if it's all the same. Ayou. There. Be careful. Your legs will probably give out first. Qu'est-ce que tu veux dire atteindre les jambes? Qu'est-ce que c'est ton remède? I'm sorry. Maybe Master Halson could have plucked it from your head, but I can't. Without him here, the only treatment for an illithid tadpole is death. You're a threat to the people around you. Mais c'est quoi ce bosquet de sac à merde? C'est incroyable. Mais putain, mais... For what it's worth, mais putain, mais y'a pas un putain de druide pour rattraper l'autre? On va tous vous cramer, c'est pas possible. Tu vas empoisonner. Please, try to relax. This doesn't have to be hard. Alors, est-ce qu'on demande l'antidote? Est-ce qu'on s'en va? Ou est-ce qu'on la tue?
j'ai ma petite préférence. Ah! Je vois qu'à nouveau, nous sommes favorables à la solution violente. On choisit la formule offensive. Mais bien, choisissons la formule offensive. Alors, Will. Ouais, fin de tour, c'est cool. Ça fait super mal, ce truc. Vous êtes sauvé contre la mort ici. Tiens, bim, prends ça dans ta face. Le 21 dans la tronche qui a piqué. Par contre, j'avais oublié de retirer mes gantelets. Fichtre. Regardez son espèce bombe machin, il fait. J'avais deux actions, je me fous de ma gueule. Allez, on l'a fini. Ah! Par contre, Jocelyne, elle commence à être bientôt. Bientôt capote, on va peut-être aller l'aider. Ah! Sa transformation en grosse saloperie. Dégueulasse. 3. C'est nul déjà 3. Mais c'est pas possible, 3. En plus, j'ai une caractéristique qui m'empêche normalement de faire 3. Au seuil de la mort. Oui, c'est parce qu'on a notre petit empoisonnement. Bon. Un des 4 de tes caractéristiques, résistance, c'est le meilleur pour les gens de sauvegarde, bénédiction de l'escroc, j'en fous. Ça ne peut rien faire. La flamme sacrée, on va essayer de lui cramer le cul. Ça ne servit à rien, bravo. C'est quoi ces G? Aïe! C'est mieux. C'est ça que je préfère. J'attaque 2. Mais les G, mais tout pourri, c'est vraiment chiant. Enfin! Boum! On a déjà fouillé. Les druides. Poison de résistance au feu, on s'en fout. Élixir de Sylvanus. Peut neutraliser les poisons les plus redoutables. Bon, du coup, on va boire ça, ça a l'air pas mal. C'est mieux. Ombre cœur. Blind honesty is always a bad idea. We should keep quiet in future. Ouais, je suis d'accord, ça se passe mal quand on discute de ce qu'on a. Indeed. Wouldn't want a frightened and angry mob to get to us before the tadpole did, would we? That said, this Halston fellow sounds promising. He'd be someone to tell about our problem, if we manage to find him, that is. Je trouve que les expressions faciales des PNJ sont vraiment bien foutues des membres du groupe. C'est con, du coup, ça contraste encore plus avec le côté monolithique du personnage principal, parce que les... L'apparence du... Enfin, la façon dont ils parlent et leurs expressions sont vraiment bien foutues. Note sur le parasite du drow. Ok, l'anatomie d'un drow et d'une larve d'élitide sont accompagnés de deux traits de gélate. Le parasite était logé au beau milieu de l'encéphale. D'origine élitide, à n'en pas douter. L'autre semblait pourtant ignorer sa présence et il a succombé sans avoir à aucun moment eu conscience de cette intrusion. Le cadavre ne présente aucun signe de séromorphose. Voilà ce qui est pour le moins curieux. Altéré ? Looks like Halston's our best bet for a cure. Note de droïde. Time to track him down and see what he knows. J'ai eu beau demander l'aide, l'enclave d'Emerald m'a proposé une fin de non-recevoir. Ces terres sont meurtries et la corruption est omniprésente et profondément ancrée. Je ne peux pas me permettre d'attendre d'hypothétiques renforts, mais je suis peut-être pas obligé d'affronter seul les ténèbres. Hein, des oursibous.
Une longue liste de signalements d'oursibou dans la région, répertoriée par date. La dernière entrée, qui remonte à une dizaine de jours, fait mention d'un ourson. Le terme est souligné à plusieurs reprises. Et le journal d'Annecy doit être quelque part dans le coin. On a un œil embouteillé, on a des fleurs embouteillées. Il se passe des choses extraordinaires ces temps-ci. Alors que nous méditions dans la forêt, Nicky et moi sommes tombés dans une embuscade tendue par une horde de gobelins emmenés par un drow. Nous n'avons eu d'autre choix que de nous défendre. Mais ce n'est pas là ce qui est extraordinaire, ou plutôt, devrais-je dire, inquiétant. Quand le drow a rendu l'âme, un parasite a surgi de son cadavre et a essayé de s'échapper. J'ai réussi à le capturer, j'ai entreposé le corps de l'autre dans mon laboratoire. Je n'ai pas parlé à personne de mes craintes. Nitty se doute de quelque chose, mais elle s'est bien gardée de poser des questions. Je vais creuser la question avant d'affirmer les autres. Karga ne manquera pas d'exiger des réponses que je ne suis pas encore en mesure de lui fournir. Ah mais le bosquet de Baltringue. Il y a un journal en bout. Le temps a rendu lisible les pages fragiles de ce livre à l'exception de quelques noms écrits ponctuellement à l'encre rouge. Une page plus récente et plus robuste a été insérée derrière la couverture. En vrai, c'est cool. Trouvé dans le bâtiment bordant la rivière au sud. Aucune indication quant à la raison d'être de cet endroit sinistre, mais ces pages confirment ce que nous savions déjà, il est très ancien. Tout le reste n'est que pure spéculation. Ah bien. Une cavité vide. A tiny slot, but no rune. Rapport épistolaire. Un message griffonné là d'une main visiblement nerveuse. J'ai reçu un message d'un Gunode par l'intermédiaire de Sirith, l'un des oiseaux de Netty. Je ne sais pas comment cette vieille sorcière l'a trouvé, mais nous avons enterré cette pauvre bête la semaine dernière. Le message contenait à la fois une menace et une invitation. Elle demande à nous rencontrer. Je n'ai pas encore répondu, mais j'ai exhumé le cadavre de Sirith afin de l'ensevelir sous une pierre plus lourde. Ils sont plus bourrins que Jaira les druides. Ouais, ils sont surtout pas dans le même état d'esprit, dirons-nous. C'est curieux. Il y a un truc qui est... Il y a un truc qui a attiré l'attention, mais... Je sais pas quoi. Ah, d'accord, c'est une porte. On va pouvoir s'ouvrir avec les runes, mais... L'histoire de Kedéric est le résultat de mes erreurs. Il s'est pas tombé tout seul, on l'a poussé. Son chagrin était perverti par les ténèbres, mais nul ne peut nier que j'en suis le premier responsable. Ok. Ok. It's broken. But not too badly. On va retourner voir le... Ouais, très bien, comment je sors? Y'a pas de clé sur elle. Poison. Odeur arcanique, Mathieu. Peut-être pour toi. Manque une rune, absolument. Ah, d'accord. Bandeau qui servait de... Les potions. Un carnet de droïdes. Dague trouvée dans l'ancien village de Havre Lune. Je l'ai prise avant que les autres la voient. Le métal est vicié, corrompu, contre nature, comme... J'ai mis la dague en lieu sûr, mais sera peut-être utile plus tard. Et très bien. Bon à savoir, il y a des trucs à récupérer. On s'en fout. La mage peste, c'était du background. Ça manque de loot quand même. Boah, ça va! Pour l'instant, on est qu'au début du jeu. Une autre rédigée à la hâte.
te confie le bandeau permettant d'accéder à la bibliothèque. Porte-le en permanence. Si tu as besoin d'entrer à la salle secrète, adresse-toi à Raph. C'est lui qui a laissé la rune pour la possession, mais il ne te donnera pas à n'importe qui. Alors assure-toi d'avoir une bonne raison. En mon absence, je protège mes recherches et prends soin des animaux. Et évite de donner du poisson à Herbe Brune, il commence à s'encrouter. Très bien, on va demander à Raph. Il veut certainement nous combattre, parce que tous les druides de la région sont des connards. Corps des potions, c'est bien. Chaudron de Tyrarc bouillonnant. Terriac, pardon. On doit pas combiner des trucs, mais pour l'instant, on ne dit rien. Voler dans la salle principale après avoir découpé leurs copains. On est quand même bien abîmé, hein. Faudra faire une pause repos. C'était qui l'avait Marocain Drax, c'est lui qui l'a. Until Master Holson returns, my eyes must stay on Corga. Dans le sang, oui. I can't believe he just left. Pierre de lune, c'est un loup, c'est un leu. Est-ce qu'on peut lui parler? Tiens, il y a une porte. Oh, il y a trop de trucs à explorer. Tu dois avoir ton arme, ton sac plein d'armes, d'armure et de collier. Bah oui, je suis d'accord. C'est joli. Il y a un truc. Et le coffre de Karga. Seulement on avait quelqu'un pour projeter. Bon. Sortons de ce bosquet à la con et mettons-nous à la recherche d'Alcine. Peut-être que au moins lui sera sympa. Mais ça sera pour le prochain épisode. Car YouTube, il est temps que nous disions au revoir.